Shalom, je vais vous montrer une astuce, Julien. J'ai déjà posté cette vidéo, je ne sais pas pourquoi. Comme je viens de dire pour l'autre, le Seigneur m'a dit encore de le faire. Chers amis, ce que je vous livre sur l'internet, je ne viens pas pour s'amuser. Je ne viens pas pour s'amuser, ni pour donner le faux. Je viens pour donner le vrai. C'est vous, messieurs. Ce que j'ai à vous donner, c'est pour quelqu'un qui joue totalement de la malchance dans ta vie. Quelqu'un qui joue totalement de la malchance dans sa vie, partout où il passe, c'est de la malchance. Quel que soit ce qu'il fait, c'est toujours de l'échec. Je suis venu pour vous libérer, pour briser ces chaînes-là. Faites ce que je vais vous montrer, faites-la. Regardez bien. Ces graines ici, vous voyez comment c'était jaune puis. Vous voyez? Je crois que certaines personnes les reconnaîtront déjà. Vous voyez? C'est les graines de Jatropha. Blanc. Jatropha blanc. Nyopotin, oui, oui. Ces graines. Qu'est-ce que vous allez faire avec ces graines? Vous allez chercher, tout à l'heure même, je vais mal protéger. Je vais même préparer ça. Parce qu'on le fait pour des gens aussi. Si vous voulez commander, bien sûr. Regardez. Ça. Ici, il y en a 42, pardon. Au lieu de 21. Il y a deux fois. Parce que c'est pour deux personnes. Mais je vais vous montrer ça pour que vous comprenez comment le faire. Je ne cache rien. Vous prenez 21 de ce grain-là. Vous allez chercher une pilonnier. Des graines bien mûres. Vous cherchez une pilonnier. Vous vous mettez devant. Vous commencez par piler. Vous pilez, 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 pilez. Jusqu'à ce que ça devienne complètement poudre fine. Quand je dis savon, parfois savon indigène, c'est ça. Des savons comme ça. Le noix de ça. Vous prenez le savon. Vous ajoutez sur la composition de la poudre dans le pilonnier. Et vous les repilez. Vous allez piler correctement. Bien mélangé. Vous allez prendre possession d'une plastique blanche. D'une plastique blanche où vous renversez tout le savon là-dedans. C'est fini. Comment utiliser ce savon? Ce savon vous délivrera complètement de la main de sorcellerie. Tous les sorciers qui vous ont attachés vous libéreront. Si vous avez affaire avec les grands sorciers, ils vont vous libérer. Là maintenant, vous pouvez réussir votre vie. Même jusqu'à même avoir des maisons et autres. Le soir, à partir de 23h30, vous prenez le savon avec de l'huile rouge, l'huile de palme rouge. Vous allez payer d'éponges indigènes, des caméritons, d'éponges indigènes, vous allez payer. Et qu'est-ce que vous allez faire? L'éponge indigène en question, vous déposez ça à côté. Maintenant, vous allez prendre de l'huile rouge où vous allez embaumer complètement votre corps, vos yeux, oreilles, tout autour, articulation au niveau du sexe, paume des pieds, tout autour. Mais attention, on ne porte pas des chaussures. N'en portez pas des chaussures dans la douche, ni après. Ni avant. Donc vous restez au pied nu en contact avec le sol et vous mettez l'huile complètement sur votre corps partout, partout, partout et vous dites, vous, les dames de la nuit qui m'ont attaché, je vous ordonne, arrivez là-bas, détachez-moi. Vous, les dames de la nuit qui m'ont attaché, arrivez là-bas
libérez-moi, afin que moi, Jean, je puisse avoir la délivrance, la liberté, prendre possession de mes activités. Si. Au moment dont vous passez l'huile, vous serez en train de parler. Je dis bien à partir de 23h30. Et lorsque vous avez fini de faire tout ceci, vous restez un peu en train de prier. Je veux être libéré de toute force occulte, de toute sorcellerie, de tout machin. Vous priez jusqu'à 0 à moins 5. Vous entrez maintenant dans la douche. Vous vous touchez maintenant avec le savon. Lavez le savon à volonté comme vous le voulez. Au moment de la douche, vous répétez encore. Vous les dames de la nuit qui m'ont attaché, arrivez là-bas, je vous ordonne de me détacher tout de suite afin que je puisse avoir liberté de vous prier. Vous lavez le savon là correctement partout dans votre corps tout jusqu'à ce que l'huile tout ne soit disparue sur votre corps. Lorsque vous avez terminé, l'éponge en question, attachez-le dans un sachet. Entrez dans la chambre en même temps. Vous ne devez plus sortir. Maintenant, vous pouvez essuyer le corps si vous voulez bien. Maintenant, vous prenez encore l'huile rouge, là, vous utilisez comme de la pommade. Ce savon s'utilise consécutivement 7 jours. Si vous voulez bien que les choses marchent. Et lorsque vous arrivez dans votre chambre, vous prenez l'huile, voilà, vous faisiez encore sa pommade. Et puis, même si votre mère vous appelle, vous n'oubliez pas, vous ne devez pas sortir la nuit. Vous savez pourquoi? Parce que votre corps ne doit plus s'exposer à la lune. Parce que vous avez commandé aux forces, vous avez donné de l'ordre aux forces des ténèbres de vous détacher immédiatement. Et ces forces peuvent, en sortant la nuit, peuvent se transformer à une femme, à un homme, à un ami, pour causer avec toi. Ou soit t'attirer dans quelque chose juste pour pouvoir reprendre encore le pouvoir qu'on t'a donné. Ou bien suspendre la délivrance qu'on voulait te faire. Donc la raison pour laquelle on ne cause plus avec personne, mais seulement avec ta petite famille dans la chambre, mais plus on ne sort plus pour aller dehors. Et quand tu fais ça à partir de 6h, à 6h du matin, tu peux sortir maintenant. 6h, 7h, tu peux sortir maintenant. Tu repères ceci, le même scénario pendant 7 jours. Tu peux demander si c'est avec le même éponge. Si l'éponge n'est pas trop déchiré, tu peux utiliser ça encore. Je te jure au nom de Dieu, si tu utilises ce savon, toute chaîne occulte, toute force maléfique qui t'ont attaché, elles vont te libérer immédiatement. Tu auras ta libération. Et les projets vont commencer par donner leur fruit. Dans la vie pour réussir, il faut se donner. Et la nature te donnera de retour. La paix dans les cœurs, Béchir Raphaël, votre frère de Shalom.